Ah, c'est comme... Ah, tu t'es mis Je en... suis en... Ouais, je suis reparti en live là. Bon bah, le live a coupé. Tu peux lui dire à Kazoo. Le live a coupé en raison d'une petite faiblesse réseau. Donc là, je viens de le reprendre. On reprend où est-ce qu'on en était. On a dû redémarrer l'équipement pour que ça revienne à la normale. Donc là, je les recherche. Je recherche les petits policiers pour les mettre à l'épreuve. Petit policier. Vu que moi, on rappelle, je suis au chômage étant donné que j'ai changé de ville. Oh, ils sont là. Oh, ah, c'est bon, je suis passé pile poil. Ah, vas-y, c'est bon, la santé. Ah. Petit, hé, Kazoo, dis-lui que je suis en train de... Ouais, c'est quoi ce camion? Ah, ils sont bizarres, les gens. Stoppez votre véhicule maintenant! Ah, ça y est, il pleut. Ouais, là, c'est vraiment les talents de pilote qui vont être mis à l'épreuve. Hein. Oh la vache! Conduite à contresens, franchissement ligne continue, les feux rouges grillés. Oh là 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 là! Non, pas le poteau. Allez, un petit coup à droite et à gauche. Allez, allez, allez. Hop. Le petit poulet. Bien, oui. Allez, hop là. Mange-toi, les poteaux. Hop, et encore un petit coup. On passe devant le bus. Allez, hop, petit poulet! Stoppez votre véhicule maintenant, j'ai dit! Ouais, ta gueule, c'est bon, j'ai pas entendu. J'ai pas bien entendu avec le mégaphone. Ah oh, heureusement, j'allais pas vite. C'est relou les phrases sur la manette. Bon, allez, le temps de le semer vite fait. C'est derrière moi. Purée, je l'ai semé. Oh mon dieu. Ouais, je l'ai semé, mais en fait, je comprends pas pourquoi je l'ai semé. Parce que moi, j'ai glissé en voulant freiner. J'ai tapé légèrement le mur, tu sais, j'étais à genre 20 km/h. Donc je me suis dit, il est temps que je me démerde tout de suite. Parce que mon véhicule commence à être bien endommagé. Je vais aller le faire réparer là, je vais me mettre dans un coin, je vais te cacher. Ah là c'est parfait. Allez go. J'ai eu droit à 2 sommations. Pas de coup de feu encore. Alors là, pour me trouver, ça va être chaud pour eux. Hein. Je peux te le dire. Hein. Je vais appeler le mécano. Allez petit poulet. J'ai des choses à ce coffre parce que c'est une couille, c'est pas ma merde. Viens mon mécano. Ah monsieur, bonjour. Ça fume bizarre. Vous pouvez réparer ça? Merci beaucoup, monsieur. Apparemment, c'est une braquette. Du quoi? Ah ah.
Eh ben dis donc, ils sont pas très efficaces, ces petits policiers. Ah, j'ai du mal à me faire. Lui, il a cru. Lui, il a cru. La voiture, t'as vu? C'est pas une brette, la voiture. Pas du tout. Par contre, ma voiture, elle a le capot toujours soulevé alors que ouais, le mécano, tu sais, il m'a réparé le moteur. C'est ça. Ah, ouais. Et en plus, ils peuvent me mettre à l'amende pour le véhicule endommagé. J'ai enlevé mon casque, j'ai remis mon casque. Attends, je sais sonner, je vais mettre. Oh merde, les flics! Oh merde, il y a des flics devant moi! Ah ouais, c'est pour ça que j'ai pas sur l'autoroute. Stoppez votre véhicule maintenant, j'ai dit! J'ai pas entendu! Non. Stoppez votre véhicule maintenant, j'ai dit! Y'a quoi ici? Oh! J'ai eu deux sommations. Ah, ils essaient d'éclater mes pneus. Ah oh, bah il a mal visé. Il se tire à le taser mes pneus. Stoppez votre véhicule maintenant, j'ai dit. Arrêtez votre véhicule maintenant ou nous serons dans l'obligation d'ouvrir le feu. Ils ouvrent déjà le feu. Ils ouvrent déjà le feu. Flesme. Ils sont plus derrière moi. Bon, ils sont pas prêts de revoir la voiture. Hein. Oh. Regarde ce que j'ai fait. Ils vont même pas m'écraser. Hein? Ouais bah écoute hein, c'est le but c'est de tromper. Hein. Avec ça? Mais j'ai fait exprès, t'as pas vu? J'ai rangé ma voiture et après j'ai pris le véhicule de location. Quoi? Attention à quoi? Y'a pas de flic ici. Fermez l'hôpital. Ouais. Quand est-ce qu'il va ouvrir? Tu veux quoi? Tu veux? Arrête, je descends. Je descends pas. Qui est Béflan?
c'est qui Béflin? Je les entends encore en code 3. Putain, ils doivent me chercher partout. Je sais même plus où est-ce que je les abandonne. Je sais pas, je serai des faux gens comme ça, y'a personne dit rien. Oh, c'est quoi cette ambulance? C'est quoi cette ambulance? Il est même pas en code. Oh, regarde le médecin comment il conduit. Regarde, regarde. Regarde comment il va à fond. C'est pas les Schmitt, c'est l'ambulance, regarde. Pas trop ce qu'il y a eu, je crois qu'il est malade. Waouh! Ah, il a crevé! J'ai entendu, il a crevé, il roule quand même avec. Arrête, arrête, il s'arrête pas. Arrête, j'ai entendu son pneu crever. Je crois qu'ils ont un accident pour la course poursuite. Ah ouais! Oh ouais, ils sont mangés le mur! Ça vient d'éclater. Ah ouais. Ah! Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, monsieur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le pneu, il est éclaté. Ok, soigne, monsieur. Je sais pas si vous m'entendez, mais je vous soigne. Vous allez bien? Quel pneu, il n'y a plus qu'à éclater, ils sont mangés le mur. Médecin, avez-vous besoin d'aide? C'est bon, je pense qu'il va bien. D'accord. J'ai entendu un pneu éclater quand vous êtes arrivé, quand on s'est croisé. Est-ce que vous voulez que je répare votre camionnette? J'ai un pneu sur moi. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, allez-y, merci, d'accord, madame. En plus, c'est mon dernier. Eh, mais c'est le commissaire qui est par terre, là. Oui, moi aussi. Il s'est passé quoi? Il est éclaté et on a perdu le contrôle. Vous avez perdu le contrôle? Mais comment ça se fait? Vous vouliez vite pour perdre le contrôle, comme ça? Bah, le commandant, je dois une voiture. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous avez besoin d'aide, le médecin? Non, c'est bon, je le ramène, j'interne à l'hôpital. Tous les deux? Non, juste le commandant. D'accord, si vous voulez, je peux porter le deuxième, hein, ou l'escorter, ou juste l'appuyer. Vous avez besoin d'aller... Vous avez besoin d'aller... Ouais. Est-ce que vous avez... Vous voulez venir? Oui, je vois. Waouh, elle est belle. Je peux marcher. Je peux marcher. Oh.
Aïe. Le village. Coco. Mais là, je sais pas. Pas lâché. Il faut que... Il m'avait lâché. Il est devenu tout seul. C'est quoi ce médecin incompétent? Oui, médecin compétent. Ah, mais vous savez pas le porter. Waouh. Jolie caisse. Ouais, t'as vu? Mais c'est pas toi. Moi à porter lui. Putain, c'est pas moi. C'est pas fait. J'en sais rien. Et apparemment, il y aurait un pneu qui aurait crevé. Et ils auraient été derrière une voiture, si j'ai bien compris. Et bah, ils ont perdu le contrôle du véhicule. Ouais, c'est un cadet et il y a le commissaire qui est par terre là. Ah d'accord. Il est. Tout va bien ou c'est grave? Je sais pas. J'ai pas demandé au médecin. J'ai juste vu que j'ai croisé l'ambulance tout à l'heure. Et j'ai entendu que le pneu avait crevé, donc j'ai proposé mes services pour réparer le... Pour donner ma roue de secours, quoi. C'est tout. Après, bon, curiosité... Mais tu sais pas porter ou quoi? Tu sais pas, t'es me faire tomber. Je crois qu'il veut... Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Je vais voir ce qu'ils ont dit. Mais arrête de le porter! Sors de là! Sors de là! Ouh, calmez-vous, calmez-vous. Que se passe-t-il, les enfants? Allez-y là-bas. Me supportez, voilà. Bien. Bon, bah écoute, je crois que je vais reprendre ma route. Hein. Voilà, restez. J'ai déjà mis une annonce sur Twitter, mais si t'as pas un compte Twitter, tu pourras pas l'avoir. C'est avec ton téléphone, tu sais, faut que t'apprennes à t'en servir un peu. C'est pas comme, comme dans le pays d'Aquino. Oh mon dieu! Il a fait tomber, il a fait tomber le commissaire. Mais monsieur, vous avez pas porté ou quoi? Ah, faites attention, il y a un monsieur juste derrière vous qui a pas l'air très très gentil. Il veut vous rouler dessus, je crois. Moi, je vais me mettre sur le trottoir. Est-ce que vous voulez de l'aide? Bah oui, si possible, parce que il a un pétant. C'est bon, je m'en occupe. Reculez si vous voulez. Reculez. Je m'en occupe, je le prends. Monsieur le commissaire, est-ce que vous m'entendez? D'accord, je vais vous porter doucement, ça risque de faire mal un peu. Hein. J'espère que vous êtes plus forte que... Allez, restez sage, d'accord. Le médecin, où c'est que je dois poser ce monsieur? Oula. Pourquoi? Oula, d'accord. Oula, le commissaire a bougé, je crois. Il a glissé avec ses vêtements. Là, il va falloir le déshabiller. On le porte à 3. Oui, on va le porter à 3. 1, 2, 3. Dites-moi, cadet, est-ce que vous pouvez l'escorter, s'il vous plaît? Vous avez les aptitudes pour, vous savez? Comme si vous vouliez l'emmener quelque part. Reculez le médecin, sinon vous allez vous faire prendre. Il va nous aider, le cadet. Attendez, je le porte? Non, vous savez, avec vos compétences, on va dire. Le compétence Musclef 6. Vous, ah, oui. Vous le prenez avec le... Vous savez. Ah oui, je... Et en fait, comme il est à terre, je peux pas laisser les mains, ça glisse. Si, vous pouvez, vous en faites pas. Bah, je le mets directement dans le véhicule, hein. Oui, sinon, vous lui demandez de monter dans le véhicule. Si vraiment ça marche pas, enfin, vous avez du mal. Essayez de le mettre debout. Essayez de le mettre debout. Commissaire, vous pouvez le faire. Non mais... Allez, tenez bon, commissaire. Allez, on va s'y mettre à 3. On va le tenir. Alors, moi, je tiens une épaule, l'autre tient une épaule et l'autre tient les jambes. Ça vous va? Allez, on y va. D'accord. Allez. Allez, on le fait monter. Il a trop mangé de McDo. Allez, c'est parti. Et vous, cadet, comment allez-vous? Vous montez aussi ou pas? Bah oui, je sortais en bout de mes doigts. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai mes gants. Ah, vous êtes sonné. Hein. D'accord. Ouais. Bah écoutez, allez-y, montez.
Attends, on va prendre la photo avant. Je sais pas, ça fait partie. De l'autre côté. Ah ouais, carrément. Vas-y. Ah, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. T'as la batterie? Si, j'ai. Ok, parfait. On t'entend pas en jeu. C'est ce que tu dis, je règle la sensi, hein, parce que ça va pas. Oh, il a roulé sur la jante après. Waouh, c'est impressionnant. Ouais. Le pneu, il a éclaté. Ils ont roulé sur la jante, ils ont dû faire 200 mètres et après, bam. Regarde, il y a même plus de barre-mufle. Il s'est fait arracher par le mur. Ah ouais. Heureusement qu'il était là. Bah heureusement que le 4x4 est renforcé parce que sinon, je pense qu'il serait pas en vie, il serait mort. Hein. Et en voiture. Bah il serait mort dans la voiture, t'as pas vu la tête du commissaire, il avait la tête qui pissait le sang. C'est qu'il s'est mangé le volant hein. Ouais. On fait appel à la fourrière? Non. On peut pas l'appeler? On peut l'appeler hein. Attends. Ouais bah appelle le tout le monde. Attends. Je vais la faire, attends, je vais l'appeler. Je fais ça moi. Voilà, c'est bon, il y a la fourrière qui va venir. Je suis en train. Hein? Ah, mais je sais pas, moi j'appelle. Enfin. Quoi? J'ai appelé la fourrière, ils ont dit qu'ils allaient arriver. Ouais, j'ai un citoyen, je sais pas. Il a un problème. C'est qui? Un problème avec un de ses conduites. Le pneu, il a éclaté le côté de la route. La conduite. Le pneu, il a éclaté en pleine conduite. Ah, il va falloir que j'achète un pneu. Est-ce qu'il a moyen de nous contacter ou pas? Bah justement, il m'a dit il est au début du pont, je crois. Mais je sais pas où. Au début de l'examen? Je crois que c'est le début de l'examen, tu. Je pense, oui, qu'il faut suivre le parcours. Ok, bah moi je connais pas le parcours, vas-y. Moi non plus. J'y vais. Ok, bah j'attends que le camion de la fourrière arrive. Ouais, votre unité n'est pas venue, j'aimerais bien qu'elle vienne le plus vite possible. Ah bah, elle est là. Courir! Wouah! Ouais, bon, je vous laisse, hein. Vous êtes fou. Là j'ai pris notre route. C'était loin. Bon, bah j'ai blessé le commissaire en fait pendant la course poursuite. Bon allez. Je viens de prendre l'autre route. Ah, je vais trouver une épicerie parce qu'il y a un pneu qui a crevé chez. Ah bah, juste derrière là. Nickel. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des routes de secours dans votre établissement? Ah bon, bah vous n'en avez pas, tant pis pour vous. Je vous souhaite une bonne journée quand même. On va les fournir en route secours parce que apparemment c'est ouais, pas.
Mais c'est moi, je viens de tuer ce mudion. De Elle est où ma petite choupinette? Elle est là. Elle est trop belle. Kazo, s'il mate mon live, il va me voir faire une pointe. Ah, faire une pointe et je me suis fait flasher. Oh, merde. Pas besoin d'aller à 500 km/h si déjà à 30 si on arrive à se mettre un poulet. Prochaine intersection. Belle ma choupinette. Que je vais continuer à compresser. Alors. Est-ce que je peux? Non. Ah. Tiens, une radio, ça pourrait me servir, ça. Merci. Ah. Attends, attends, attends.